I start off with uh, Japanese and English users so this very short video is dedicated to explain how you can get into Xenogears VR worlds. So I'm going to do this video in French, but it's very easy actually. There is a recap in the description of this video. The, the only thing you have to do is to install an app which is called uh, VRChat, and then uh, you just hit a, a URL in a in a browser, and then you will launch you, you will launch the world. So it's very simple. Ok, donc je vais une description un petit peu plus précise en, en français. Donc, euh, pour accéder, donc alors, les, on a la possibilité désormais de, de faire des visites virtuelles des mondes du, du jeu Xenogears. Alors, ce qui est sympathique, c'est que moi je n'ai pas de matériel de réalité virtuelle, hein, donc vous n'avez pas besoin de, de de matos de réalité virtuelle pour visiter ces mondes. Vous avez juste besoin, vous pouvez tout à fait les visiter à la première personne avec un clavier et une souris. Donc bah pour ce faire, c'est très simple. Euh, vous allez, euh, enfin, vous allez euh, installer une application qui s'appelle Verchat. Donc alors, c'est est une application qui est totalement gratuite. Elle est disponible sur Steam. J'imagine aussi qu'elle est disponible hein, est par d'autres moyens, mais en tout cas, moi, je l'ai prise par Steam. Donc, elle vous donne accès, notamment, bah, comme vous le voyez, à des avatars angoissants à base de bananes et de chats. Une fois que c'est fait, vous euh, vous allez cliquer sur un lien, donc un lien vous enfin vous ouvrez un browser. Moi je le fais avec Chrome, j'imagine que ça fonctionne très bien avec tous les autres aussi. Euh, vous avez un lien dans la description vers les mondes. Ici, comme on en est encore que à la bêta, bah ça va être ce premier lien que vous voyez ici. Hein. Donc vous cliquez dessus, ça va vous emmener vers cette page-ci. Il ne vous reste plus qu'à cliquer tout simplement sur Launch World. Ça vous met un prompt, ça vous demande est-ce que vous voulez bien lancer ce VRChat, Vous dites oui. Vous êtes bien urbain. Donc la première fois, donc alors là il faudra vous loguer, donc j'imagine qu'il faut créer un compte vers chat. Enfin il faut créer un compte Ici si vous aurez la première fois que vous allez euh, vous allez faire, euh, faire cette, cette opération, vous aurez les 300 mégas à télécharger, qui sont bah évidemment le, le monde il est gigantesque, hein, donc il fait à peu près 300 mégas. Et vous n'aurez à le faire que la, euh, la première fois où vous vous entrerez dans le monde. Donc là je l'ai fait précédemment, donc je n'ai plus besoin de le faire. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur Go pour être euh, dans Xnogiar. Alors, il est possible d'avoir un écran noir ici qui dure euh, bien 10 secondes parce que bon, ça met, euh, ça met un peu le PC à mal, évidemment. C'est des gros fichiers. Par contre, une fois dedans, ça ne rame plus, il hein, n'y a pas de problème. Voilà. Donc, j'en profite aussi pour dire que. Il euh, y a des personnes qui ont, qui, ont, qui ont dit que lors de leur première utilisation de VRChat, euh, l'écran précédent était vert, il était vide, il n'y avait pas de possibilité, il, leur, il aura fallu simplement euh, reboot le logiciel, enfin refaire l'opération une deuxième fois pour que ça fonctionne. Donc Si ça ne marche pas, euh, bah, écoutez, relancer normalement ça fonctionne euh, assez bien. Donc pour cette deuxième partie, on a fait une organisation assez simple, hein, vous avez ici, donc c'est la fin du disque 1, donc c euh, ça commence au Times. Et ça va bah, jusqu'à la fin du CD1 et ici jusqu'à la fin bah, du jeu, tout simplement. Donc vous choisissez avec ce panneau là au début bah, où vous voulez aller. Et imaginez que vous vouliez aller, je sais pas, à Shevat. Vous allez être TP sur des zones comme ceci où chaque chaise correspond à un monde. Et donc quand les mondes sont très grands, il y a des, des sous-chaises dans les chaises. Il y a une chaise chaiseception. Et donc bah, je sais pas, imaginez que vous vouliez aller. Donc ici, vous allez, si vous voulez aller à The Bee par exemple, pour de Babel, voilà. allons à Shevat. Chevat, comme c'est un lieu grand, vous avez la capitale, le palais royal, etc. Chacun des lieux, eux aussi, le, 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 le labyrinthe. Et donc, bah, vous pouvez choisir la zone dans laquelle vous voulez aller. Donc, imaginez que vous voulez aller, je ne sais pas, à l'entrée de Chevat. Bah, vous voilà, vous voici à pouvoir visiter et à pouvoir regarder tous les détails des décors du jeu qui sont, qui sont fascinants. Autant que vous le voulez. Et donc, bah, dans chaque zone, j'ai essayé de mettre, on va dire, un petit peu un petit easter egg, en tout cas des petits, des petits events pour un petit peu donner de la vie à ce monde et ce, ce monde on va continuer à le peupler je pense au fur et à mesure donc typiquement et eh ben si vous voulez rentrer dans Solaris avec Maria et vous voyagez à bord des mains de Zaypsen vous le pouvez voilà. la petite Maria qui est au-dessus voilà ben, j'espère que vous, vous amuserez beaucoup et que ben, vous trouverez vous même des nouvelles choses dans, dans ces lieux qui sont très très nombreux et qui regorgent du détail